négatif et 14 Roméo Charlie 126. 14 RC 126, opérateur Oli, comme Olivier là, ok, mon tour. Ok, Oli, Oli, c'est ça? Ah oui, comme quand tu veux aller au faire dodo, tu dis je veux Oli, tu dis Oli, mais c'est moins un diminutif pour la radio là. Alors bon, bah pour les copains, bien sûr, tu peux m'appeler Olivier, il n'y a aucun problème. C'est quand je fais beaucoup de contacts un peu de DXCC, je préfère l'alphabet à Oscar Lima India, c'est vite passé, tu vois, que de dépeler le nom, là, ça ne sort plus là. Ok, retournez ça. Ah, mais il n'y a pas de problème, Oli, moi, ça me va. Mais ben, t'as bien l'accent d'en bas, là, hein, on le sent bien, hein. D'en bas, et toi, t'as bien l'accent du sud-ouest, hein. Et ouais, elle est, oh, tu es pas loin de, où il y a le, il faut bien du foie gras, là-bas, là, où tu es, non? Ah, le foie gras, c'est plutôt la Dordogne, hein. Oh, je suis limitrophe avec la Dordogne, avec le 24, hein. Voilà, je suis limitrophe, mais ah, bon, le foie gras, ils en font un peu partout maintenant, hein. Disons que les spécialistes, c'est plutôt, oui, la Dordogne et les Landes, hein. Voilà, ce sont les spécialistes de ça, hein. Il y a un break apparemment là, qui doit écouter puisqu'il a bien breaké au bon moment. J'ai laissé un petit blanc là, le break enregistré là. Ok, ben 14 km 3. Ouais, ben c'est, pour moi c'est des régions qui sont difficiles à écouter habituellement. Hein. Tu sais, du côté de Bordeaux, tout ça, c'est vraiment compliqué pour moi là. Et là, je suis content de les faire ce soir là. Vincent. Bon Vincent, il y a un petit break là, il doit être de ton côté ou du mien, j'en sais rien, plutôt du tien, ou non, plutôt du mien parce qu'il est arrivé petit chez moi, donc tu dois bien écouter. Bon, je vais laisser un petit peu là pour voir le break, allez-y. Ouais, Patrick, les amitiés à toi, sérieux, très fort aussi, plus d'IDB sur Martigues, Marseille, hein. Y'a pas de soucis, Patrick, hein. Peut-être que tu écoutes Vincent, là, on va voir Vincent, t'as entendu Patrick? Affirmatif, je sais pas s'il m'entend, oh, bon, on n'est pas très loin normalement, hein. Voilà, pour te donner une idée, on doit être, lui il est de l'autre côté mais en montant, Blaye c'est au-dessus de Bordeaux, hein. Donc on doit être à, il va me corriger si je me trompe, je pense qu'à vol d'oiseau, et je parle toujours à vol d'oiseau, on doit être à 30 km je pense, hein, à vol d'oiseau. Hein. Oui Patrick, moi je te copie, c'est une radio de 2 à 3 de mon côté. Oli fera le QSP, on est à côté, on ne s'entend pas, c'est formidable. Je me situe exactement sur la ville de Coutras, hein. Donc Oli, s'il ne m'entend pas, tu peux faire le QSP s'il te plaît. Je suis sur la ville de Coutras, c'est Patrick. Hein. Ouais Patrick, t'as une QSL de Vincent là, il est sur la ville de Coutras là, dans le 33 bien sûr, sur la ville de Coutras là. Et vous m'arrivez tous les deux à plus 10 plus 20 dB alors. Pour moi c'est du local hein. Voilà, ok Patrick, retour. Ok Vincent, je crois que j'ai déjà compris les adaptations. Là ce soir, j'arrive pas à sortir en plus surprisé par les étrangers. Donc j'entends beaucoup du marché des Paris. Oui, il y a encore quelqu'un sur le département 33 là que j'entends qui appelle derrière là. La personne là qui appelle sur le 33 là, vous êtes tous du même secteur, mais le problème vous écoutez pas trop bien et c'est vrai que après ça devient compliqué. Hein. Encore les triangulations qu'elles sont là, c'est bien, mais là bon après ça devient compliqué à gérer. Hein. Le 33, je vous écoute un signal de 5-9, hein, il n'y a pas de souci là sur la ville de Martigues. Hein. Ok Patrick, je sais pas si je vous ai donné mon indicatif, j'en ai aucune idée. Mon indicatif, donc je vais le répéter, c'est 14 Roméo Charlie 126. Le QTH c'est la côte bleue exactement là, entre Martigues et Marseille, là, sur le littoral méditerranéen, hein, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui il a fait une très très belle journée, hein,
il a fait 26 degrés, 26-27 degrés avec un soleil très bleu. Et là, il vient de pleuvoir à l'instant, là. Et j'avais lavé la voiture, hein, et bon, comme par hasard, il a plu, donc avec toute la boue qui est tombée, j'espère que c'est de l'eau propre. Voilà. Ok, allez, je retourne sur Vincent, là. C'est vrai qu'avec Vincent, le tuto a démarré avec Vincent tout à l'heure, là. Voilà, Vincent, bon, ici, les conditions de trafic, hein. Allez, on va dire, c'est Nikon 7610, avec le microphone qui va avec, la SM50, et l'équalisation aussi. Une petite amplification derrière, voilà, juste pour pas user les PA, je répète, pour pas user les PA de l'ICOM, voilà, de la COM. Et la antenne, il y a les quatre éléments, donc boum, là, orienté actuellement 300 degrés, là. Voilà, retour à toi maintenant. Eh bien, Oli, je te remercie pour le retour. Je vais te donner mes conditions qui sont un peu plus simples que les tiennes. Hein. Voilà, moi, c'est un Superstar 6900. L'antenne, c'est une demi-onde verticale, bien sûr, à 6 mètres du sol. Le microphone d'origine et je développe actuellement une cinquantaine, soixantaine même, je dirais peut-être bien, de watts modulés. Voilà, je n'ai que ça de mon côté, Oli. Avec un 6900 et avec une CD, ben je trouve que le job est bien rempli, hein, honnêtement. Hein. Il est super bien rempli, là, il n'y a pas de problème, hein, Vincent. Hein.